bagnole, on est pas tous des gros demeurés, fait quand même un tout petit peu attention à ce qu'on fait. En attendant, mon régulateur il a 150. Tiens, Schmitt qui m'arrête, qui veut me coller un paveton, je vais lui dire bah mon con, tu vas commencer par me dire c'est quoi les sanctions pour les 25 blaireaux qui ont traversé l'autoroute tout à l'heure à Dunkerque. Qu'est-ce qu'on va leur faire à ces mecs-là? Comme dirait Biguerre, moi je veux qu'on leur enlève quelque chose. Si c'est une couille, bah c'est une couille, tant pis. Regarde Marisol, pauvre conne, mes clopes, elles viennent d'Espagne et je te pisse à l'arrêt, espèce de pute. Parce qu'à un moment donné, meurs de chez meurs. Voilà. Tout ce que vous prendrez, c'est des coups de lacrymo dans la gueule. Tout ce que vous prendrez, c'est des coups de lacrymo dans la gueule. Lacrymo dans la gueule, c'est con. Arrêtez de regarder la télé, ça fait mille fois que je vous dis. Oh, vous étiez planté dans votre coupe de merde. Si je dois finir au Newf, là sur la tête de ma mère, je vais y aller au Newf. Je peux vous garantir que si là dans ma bagnole j'avais ma batte de baseball, putain je me serais arrêté pour me faire un radar automatique. Parce que je commence à en avoir ras le fion de ce pays de merde où on passe notre existence à casquer pour toute cette bande de demeurés. Moi on va me mettre un pruneau parce que je tire à 150 pour pas être à la bourre. Qu'est-ce qu'on va lui mettre hein, comme pruneau à tous nos chers politiciens qui passent leur vie à détourner du pognon, le nôtre soit dit en passant, et qui continuent d'exercer leurs fonctions, les doubles mandats, les triples mandats, les pensions à vie. Votre espèce de momie, Valéry Giscard d'Estaing, qui nous coûte 2 millions d'euros par an.